Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un petit color and chat. J'avais envie de colorier avec vous. Je suis sur cette double page ici de Anacarzone dans le Forest Kingdom. Donc, ça fait super longtemps que j'ai envie de la mettre en couleur. Donc, j'ai commencé un petit peu. Hein. Là, je vous ai fait un zoom, donc je vais me promener comme ça. Pour que ce soit plus intéressant pour vous quand je vais colorier les petites baies. Et là, j'ai fait le grand champignon. Dans le fond, j'ai fait tous mes champignons en brun et ceux du bas, je les ai fait en vert. Je colore avec les luminances, les prismacolores et les light face. Souvent, c'est mes trois gammes préférées, je pense. Parce que c'est tout le temps ceux-là que je suis en train d'utiliser et j'aime bien les mélanger ensemble. Je trouve qu'ils se mélangent bien. Donc, on va se mettre ici parce que je vais faire les petites baies et les petites feuilles, parce que ceux du bas, je les ai terminées. Donc, on va jaser en même temps. Je vais aussi vous donner les combos de couleurs. C'est comme ça, si ça vous intéresse, ben vous les aurez. Donc là, je vais prendre mon combo de mauve. Ensuite, je vais prendre mon combo de vert. Et ça va être des mélanges. Hein? Donc, vous voyez, ça, c'est mon combo de mauve. Donc, je prends le noir des Prismacolor 935. Je prends deux light face, le Nightshade et le violet. Ça, c'est pour mes baies. Et je mets un petit peu de Prismacolor blanc. Là, il est rendu tout petit. Je pense que je vais le mettre dans une rallonge. Sinon, ça va être fatigant pour vous. Vous allez voir juste ma main. Donc, ça, c'est pour mes baies. Et je les contourne avec un Tully Art qui est mauve, tout simplement. Le plus foncé des Tully Art qui, celui-là, attendez, je vais vous dire, il est dans quelle boîte? Parce que moi, j'ai la boîte des skins et j'ai aussi la boîte classique des 30 couleurs. J'ai pas toutes les Tully Art. J'aimerais bien. Éventuellement, on verra, mais ce mauve-là, il est dans les 30 couleurs classiques. C'est lui ici. Vous voyez, c'est celui-là. Moi, je trouve que dans les crayons de peinture, il n'y a pas de mauve assez foncé. J'aimerais ça avoir un violet vraiment, là, foncé là, qui tirerait sur le noir, mais même dans les Posca, il n'y en a pas. Dans les OUU, j'ai jamais regardé parce que là, si vous avez vu, je sais pas si mon color and chat va sortir avant mon dernier vlog, mais dans mon dernier vlog, je suis retournée dans mon ancien bureau. Et ben là, j'ai des petits casiers pour mettre mes tous mes marqueurs de peinture. Et ça, vous allez le voir dans mes. Dans mon vlog, je vous ai montré, mais peut-être que le vlog va être déjà sorti, je sais pas s'il va sortir avant le color and chat. Et là, je vais vous dire la date aujourd'hui, on est le 27 mai, ça vous aide à vous situer aussi, parce que, bon, des fois, ce que je peux dire, ça a comme plus rapport avec la période. Donc, ouais, je sais pas si lui serait plus foncé que le Tully Art. Ça, c'est un OUU. J'avais commandé la boîte de 40 OU. Ah, ouais, j'aurais peut-être dû prendre lui. Je vais vous montrer. Est-ce que vous le voyez? Non. Il est plus foncé. Où est-ce que je suis? Il est là. Toutou! Il est plus foncé que mon Tully Art. Ah, j'aurais dû prendre lui. Dans le fond, c'est le mauve des OU. Bon. Ben là, je vais continuer avec mon Tully Art parce que j'ai commencé avec ça. Mais bon, tant pis. Donc, aujourd'hui, 27 mai, on est en plein après-midi, super beau soleil, il fait chaud, donc là, j'ai parti la petite fan du plafond, maintenant, j'ai une petite fan au plafond, un petit ventilateur, hein, que mon mari m'a installé, donc je suis bien, et puis je suis contente d'être retournée aussi en haut, où est-ce qu'il y avait mon bureau avant, parce que, je sais pas, j'étais pas bien au sous-sol, la luminosité, bon là, je vais colorier en même temps que je vais vous parler, je vais juste bien me positionner pour que vous voyez ce que je fais. Ouais, j'étais pas bien au sous-sol. Je trouvais qu'il faisait froid tout le temps. Surtout que moi, je fais pas mal souvent. Bon, là, c'est une exception. Hein? On est dimanche aujourd'hui. On est-tu même le 27 mai? J'espère que oui. J'espère que c'est pas de bêtises. Un instant, il y a ma fille qui m'appelle. Ça sera pas long. Bon, désolée pour l'interruption. Donc là, je commence avec mon noir, hein, mon Prismacolor noir. Vous pouvez prendre n'importe quel noir. Hein? C'est pas obligé d'être celui-là. Mais je le fais pas foncer, hein. C'est juste pour foncer un peu mon violet. Bon, ce que je vous disais, c'est que oui, j'ai remis mon bureau en haut parce que, bon, premièrement, je sais pas, je me sentais pas bien de colorier au sous-sol. En plus,
Je sais pas, mes trucs étaient tout éparpillés un peu partout. J'avais des trucs dans le salon, j'avais des trucs dans le sous-sol parce que bon, j'avais pas osé mettre mes livres de coloriage au sous-sol puisque ben c'est très humide et je voulais pas qu'ils gondolent. Donc j'avais des trucs éparpillés un peu partout. La luminosité était pas bonne. On avait beau mettre plein de lumière, j'avais remarqué que mes vidéos étaient très sombres, donc j'aimais pas trop. Déjà que j'ai pas une super qualité vidéo, ben déjà là de perdre en plus la luminosité, je trouvais que c'était pas génial. Donc on a remis mon bureau en haut et vous allez le voir dans mon vlog, je vous ai montré qu'un peu comment je l'ai placé. Bon, c'est sûr que ça ressemble à comme avant, hein, mais j'ai juste disposé différemment un peu les trucs, j'ai réorganisé un peu la façon que j'avais placé mon matériel. Donc, ouais, je me sens vraiment mieux ici. Puis là, mon mari m'a mis un petit, vous savez, un ventilateur qui tourne là, avec une lumière, m'a mis ça au plafond parce qu'il fait beaucoup plus chaud en haut. Mais bon, comme je suis toujours gelée, j'ai toujours froid, ben, je me sens beaucoup mieux ici. Puis la luminosité est vraiment plus intéressante ici. Puis en plus aussi de la façon que j'ai mon rond de lumière installé, ma clipse pour mettre mon téléphone, parce que je filme avec mon téléphone, c'est beaucoup mieux. Au sous-sol, c'était mal installé. On n'avait pas vraiment de façon de le mettre. Donc, ça tenait un peu tout croche. Donc, j'avais tout le temps de la misère à me positionner avec mon téléphone. Donc, ouais. Vraiment contente d'être montée en haut. Et là aussi, semaine passée, on a eu, je vous donne un peu des nouvelles, hein. On a eu une grosse tempête. J'étais en train de filmer en plus dans mon vlog, j'étais en train de filmer. Je ne sais pas si on va l'entendre dans mon vlog, mais ça sera pas celui qui... Ça va être dans le vlog numéro 16, je pense. Je suis en train de filmer, puis là, ben, mon téléphone me fait une alerte. Une alerte Amber. Donc là, je suis en train de filmer avec vous, puis je me dis, ben là, c'est quoi cette alerte-là? Moi, je pensais que c'était, souvent, c'est quand c'est des enfants disparus. Donc, moi, je pensais que c'était ça. Donc là, j'ai arrêté mon vlog, je regarde l'alerte Amber, puis là, ça nous dit, mettez-vous à l'abri. C'est rare, hein, qu'on a ça au Québec. Donc, ça nous dit, mettez-vous à l'abri, un phénomène météorologique s'approche de vous. Donc là, c'est un petit peu peurant. Bon, on monte en haut, on était dans le sous-sol, hein, moi et mes enfants, mon mari travaillait. Puis on s'était fait venir du resto. Donc le resto est arrivé, on s'assit, il se passe rien dehors. Donc on se dit, bon, je sais pas, ils sont des patates, il y a rien dehors. Donc là, on commence à manger. Là, on reçoit une autre alerte Amber. Donc là, on voit que le ciel commence à s'assombrir, puis ça s'assombrit assez rapidement. Donc là, j'ai dit à mes enfants, bon, je pense qu'on va descendre au sous-sol, hein? On sait jamais. Bon, d'habitude, au Québec, il se passe pas grand-chose, hein? Les tornades, ces affaires-là, je vous rassure tout de suite, on n'a pas eu de tornade. Mais habituellement, une orage, là, au Québec, ça dure quoi? 10 minutes, puis c'est fini, là. C'est un ou deux tonnerres, là, c'est bien beau. Là, je vous ai pas dit, j'avais pris le... Ah, oh, je me suis trompée! Oh non! Fallait que je prenne le nightshade avant. Quand je parle, je suis pas concentrée. Donc, je prends le nightshade, et là, ben j'avais pris le violet, mais c'était pas ça. Fallait que je prenne mon nightshade avant, donc je vais jouer comme ça, là. Parce que moi, je fais toujours mon dégradé du plus foncé au plus pâle. Bon, OK. Donc là, je vais avec le nightshade, et après, je vais revenir avec le violet. Donc là, c'est ça. Fait qu'on descend au sous-sol avec notre nourriture, puis tout ça. Puis là, on commence à voir ça, toi, la grêle qui commence à tomber, la pluie de fou, les vents. On voit rarement ça au Québec. Hein. Il y en avait du vent. Donc, là, on continuait de recevoir d'autres alertes hein, pour nous dire de se mettre à l'abri, qu'il y avait un phénomène qui s'en venait. Donc, dans le fond, gros orage avec des rafales de vent. Là, j'y vais avec le violet. Daylight face et le nightshade aussi, daylight face avant. Donc le gros vent de fou, mes amis. Il y avait là, à minute que le vent a commencé, plus d'électricité. L'électricité est partie. Mais habituellement, ici, au Québec, quand il y a un orage puis qu'on n'a pas d'électricité, ça dure 10-15 minutes, l'électricité revient. Donc, on ne s'énerve pas trop avec ça. Donc là, l'électricité a parti à la minute qu'il commençait à avoir des vents. Donc, on attend au sous-sol, là. Bon, il n'y avait plus rien. Fait qu'on remonte en haut. Mon mari m'appelle. Êtes-vous correct? Lui, la fin de semaine, il s'est trouvé un petit travail, hein, comme ça.
C'est pas son travail principal, mais il fait de la livraison de pizza. Donc, lui, il a tout vu ça, là. Il est en train de faire de la livraison. Et que là, il me dit, il y a beaucoup de vent. J'y ai dit, tu sais, qu'on était descendu au sol, puis tout. Puis, ben là, plus là, on remonte en haut, il n'y a plus des. C'est fini l'orage, là. Peut-être, mettons, ça a pris peut-être une demi-heure. Là, je vais prendre mon blanc. Puis, ben c'est ça, l'orage était terminé, mais l'électricité n'était pas revenue. Donc là, mon mari m'appelle, il me dit, parce que des fois, quand il fait la livraison, je vais avec lui. Au moins, on passe du temps ensemble, on se promène, hein, dans le fond. Fait qu'il vient me chercher, puis là, ben, on constate les dégâts. Je vous dis, il y a des arbres qui ont tombé, là, des gros arbres, des arbres matures qui ont tombé. Et puis moi, j'en ai eu un dans ma rue qui a tombé directement sur les poteaux électriques. Donc, on savait qu'on n'était pas pour avoir d'électricité pendant un bon bout. Il était vraiment dans la rue. Je vais essayer de vous mettre une photo à l'écran parce que mon mari avait pris une photo. Il était tombé dans la rue sur les fils électriques. Donc là, on savait qu'on n'était pas pour avoir d'électricité tout de suite. Puis, bon, comme nous, on a une fosse septique et on a un puits, ben quand il n'y a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Donc ça, c'est vraiment pas pratique. Et là, ben, c'était dans la fin de semaine. Donc, heureusement que les enfants n'avaient pas d'école. Ça facilitait pas mal les choses. Donc, ben, on s'est promené, là, on a vu que le cimetière, avait été beaucoup touché. Il y a une statue qui est tombée, des arbres vraiment déracinés. C'est surtout les arbres qui ont fait du dégât. C'est des gros arbres matures qui ont tombé sur les fils électriques. Il y avait plein, plein de gens qui n'avaient pas qui n'avaient pas d'électricité, au fond. Puis, là, j'ai pris mon tous les arbres pour contourner. Et là, je vais prendre le brun foncé des Prismacolor pour faire la petite queue. Je me casse pas la tête avec ça. Je la remplis au complet. Et ensuite, je la contourne avec mon marron foncé, numéro 22. Donc là, c'est ça. Fait qu'on a été finalement 3 jours sans électricité. Dans le fond, tout le week-end. Hein? C'était le week-end en plus ici de l'Action de grâce. C'est ça l'Action de grâce? La fête de la reine, là. Maintenant, c'est la fête des patriotes, là. Mais en tout cas, on avait une longue fin de semaine, donc ça a été plate à mort, les amis, pas d'électricité. Donc, j'ai colorié à la chandelle avec ma fille. On a fait du colo au marqueur alcool. Donc, j'ai fait des annalines. Sûrement que vous les avez déjà vues de toute façon, parce que je pense bien que mes coloriages terminés du mois vont être sortis avant cette vidéo-ci. Je n'ai pas encore tourné la vidéo. Hein. J'essaie de finir lui avant de tourner cette vidéo-là. On verra. Je ne sais pas. Vous le savez déjà s'il est fini ou pas. Pas moi. Parce que, bon, ça fait bizarre hein, de dire ça comme ça, mais c'est la façon que les vidéos sortent puis que je les tourne que ça donne ça. Mais bon, j'espère le terminer d'ici la fin du mois pour pouvoir le mettre dans mes coloriages terminés parce que je n'ai pas envie. De le mettre pour le mois prochain. Quand je commence un colo dans un mois, j'aime bien le finir dans le même mois, vous voyez. Donc, ouais, 3 jours pas d'électricité. Et là, ben, j'avais pas aucune vidéo de sortie en plus dans le week-end. Donc, pas d'électricité, pas d'Internet. On voulait se faire à manger, oubliez ça. Plus de gaz dans le charcoal. Là, mon mari, finalement, il est en acheté. Mais. La journée que mon mari a décidé d'aller acheter du gaz pour mettre dans le charcoal, ben l'électricité est revenue. Donc, ouais, ben, on a eu quand même du plaisir. Hein? On a joué à des jeux de société, chose qu'on fait pas souvent, souvent. Il y a mon fils Noah qui aime bien, bien, bien s'acheter des jeux de société. Donc, il y en a une coupe. Donc, on a joué à Catan. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. J'essaierai aussi de vous le mettre à l'écran. Mon mari va être content. Il aime pas ça quand je dis que je vais mettre des choses à l'écran, mais bon. Pour les besoins de la cause, on a joué à Catan, on a joué à Vilénus, on a fait des colos d'analyne au marqueur alcool, on s'est promené, on s'est beaucoup promené pour, on a fait nos saineux, nos curieux. Nous, on dit ça au Québec, on a fait nos saineux. Ça veut dire qu'on est curieux, on regarde ce qui se passe, donc on s'est promené, on était prendre des cafés. On a livré beaucoup, beaucoup de pizzas puisque les gens n'avaient pas d'électricité. Ben, hein, tout le monde commandait au restaurant. Donc, c'est un peu ça qu'on a fait durant le week-end. Pas d'électricité de l'Action de grâce. Et
On s'est lavé à la mitaine, c'était super le fun. On se sentait comme dans l'ancien temps. Oh oui, on se promenait beaucoup avec les petits toutous, les petits chiens. Ben, les petits chiens, il y a mon gros chien. Puis mon... Là, c'est un peu Nono que j'ai mis mon petit reflet de lumière là, mais bon, c'est pas grave. Je joue pas trop avec les effets de lumière. J'y vais au feeling comme ça. Donc, ouais, c'était le fun, mais pas le fun en même temps. Ça nous a permis de passer vraiment du temps en famille, vous savez, sans tout ce qui est réseaux sociaux, hein, parce que les adolescents, c'est souvent sur leur téléphone. Tu essaies de faire quelque chose avec les ados, ils ont toujours le nez dans leur téléphone, mais là, ils pouvaient pas, hein, ils avaient pas d'Internet. À part, bon, quand on allait... parce qu'il y avait le McDonald's, lui, il y avait quand même... Le McDonald's, où ce que mon fils travaille, je vais dire ça comme ça, pour un peu vous mettre en situation, il y avait manqué d'électricité, mais ils ont été un des premiers à réavoir de l'électricité. Donc, on allait toujours là le soir pour aller prendre des cafés. Habituellement, on va au Tim Hortons, mais là, il n'y en avait pas. Donc, on allait au McDo pour aller prendre des cafés. Puis, ben c'est ça. Habituellement, les ados ont toujours le nez dans leur téléphone, mais là, ils pouvaient pas. À part quand on allait au McDo, ben là, il y avait le réseau Internet de là-bas. Mais sinon, ouais, ça nous a permis de passer du temps en famille, d'apprécier aussi, hein, quand l'électricité est revenue, vous vous doutez bien que la première chose qu'on a faite, c'est c'est d'aller prendre un bon bain chaud. Vraiment, je pense que j'ai resté une heure dans le bain. Même mon fils est venu cogner à ma porte et il me dit « Maman, t'es-tu correct? » « Oui, 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 je veux juste profiter de l'eau. » Ah, oh, Seigneur. Puis moi, avec ma fibromyalgie, en plus... j'avais mal partout. Et là, on pouvait pas faire chauffer mon coussin chauffant. Moi, je dis mon sac magique, là, mais on pouvait pas faire chauffer mon sac magique parce que, bon, pas de micro-ondes non plus. Ah, vraiment, c'était l'enfer. Ben, l'enfer. Je sais qu'il y en a manqué. Il y a des gens qui en ont manqué beaucoup plus longtemps que nous. Nous, on en a manqué pendant 3 jours, mais il y a des gens qui en ont manqué pendant 1 semaine. Ouais. Mais c'est rare que ça arrive vraiment au Québec. Est-ce que vous voyez tout ce que je fais là? Parce que je me promène un peu plus haut, oui. C'est rare, nous, qu'on a des orages comme ça, puis qu'on manque longtemps d'électricité comme ça. Donc, on s'attendait pas à ça, mettons. Ça a changé les plans du week-end, ça, je peux vous le dire. Là, je vais faire peut-être un peu de feuilles, hein, pour que vous voyez pas juste des baies. Je sais même pas. Je pense que je vais mettre les fleurs en jaune et blanc. J'ai envie de faire soit ben des fleurs jaunes puis des fleurs blanches. Les maisons, j'ai aucune idée comment je vais les faire, donc je vais les faire à la fin. Puis je pense que je vais mettre mes champignons ici dans le même vert que ceux-là. J'ai pas fait les pieds encore parce que je sais pas trop quelle couleur je vais mettre mes pieds. Je vais voir. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Aujourd'hui, on a fait un live, moi puis mon mari, avec le mari de Panoramimix et à Panoramimix. Hein, on était les 4 ensemble. C'était un live où est-ce que les deux copains, nos deux maris conjoints, je sais pas trop comment le dire, nos deux amoureux coloriaient ensemble parce que tout le monde avait bien aimé pendant le coloraton parce qu'un amoureux avait dessiné, puis mon mari aussi. Là, tout le monde disait « Ah, ça serait cool qu'ils fassent un live ensemble. » Donc, on a organisé ça. Ça devait faire au moins un bon 2 semaines qu'on travaillait là-dessus pour savoir, bon, qu'est-ce qu'on allait faire, quel programme on allait utiliser aussi sur YouTube pour pouvoir ben, s'inviter un et l'autre. Donc, aujourd'hui, on a fait celui de qui se passait sur ma chaîne, qui était en partie 1. Vous l'avez déjà vu hein, au moment où cette vidéo est là. Je vous ai pas dit c'est quoi. C'est un The White Life Fast, c'est le Mountain Green. Donc, vous l'avez vu, ça c'est certain, parce qu'il est déjà, de toute façon, si vous l'avez pas vu, il est en rediffusion sur ma chaîne. Et je sais pas si la deuxième partie va être sortie au moment où mon Colorin Chat sort, mais c'est sur la chaîne de Panoramimix, la deuxième partie, hein, parce qu'on voulait faire comme vraiment un duo de les deux chaînes qui se rejoignent ensemble. Donc, ouais, on a dit première partie sur ma chaîne, donc les garçons devaient dessiner leur dessin avec les idées des gens
qui leur donnait des idées de quoi dessiner. Puis chacun prenait les idées et faisait ce qu'il en avait envie sur le papier. Puis là, ben, ils vont s'envoyer leurs colos un et l'autre. Et dimanche le 5 juin, je vous dis la date, comme ça, si c'est déjà sorti, vous l'avez déjà vu. Sinon, ça s'en vient. Donc, ça va être sur la chaîne de Panoramimix. Et les deux garçons vont mettre. Vont faire la mise en couleur du colo de l'autre, dans le fond. Et que, dans le fond, moi, mon mari va envoyer son dessin à Namoureux et Namoureux va envoyer son dessin à Monsieur Zazou, qui va faire, et là, en live, sur la chaîne d'Émilie, je m'en gâte que je dois me à parler, ils vont faire la mise en couleur avec vous. Donc, je pense que ça va être vraiment drôle. Le live sur ma chaîne avait duré 2 heures. Je pense que sur celui d'Émilie aussi, je dis toujours Émilie, c'est Panoramimix. Sur celui de Panoramimix, je pense que ça devrait durer pas mal dans le même temps parce que ils en ont fait du dessin, hein? Moi, j'arrêtais pas de leur dire, oubliez pas que vous devez le mettre en couleur, hein? Plus vous en mettez, plus ça va être long. Mais bon, ils ont l'air à s'avoir beaucoup amusés. Ils ont une belle complicité ensemble. Je pense que si on vivrait dans le même pays, on aurait du plaisir ensemble, je pense on a un beau couple d'amis, je pense. En plus, Panoramimix disait que ça faisait 19 ans qu'il était avec son copain. Puis c'est drôle parce que nous aussi, mon copain puis moi, mon mari, hein, parce que nous on est mariés, mais je sais pas si Panoramimix puis Namoureux sont mariés. J'aurais dû demander, mais j'ai pas pensé. Mais bon, nous aussi, ça va faire 19 ans qu'on est ensemble le 5 juillet. Non, pas le 5 juillet, 4 juillet. Ah, mon mari va me chicaner, il va dire. Tu te rappelles pas de la date que ça fait qu'on est ensemble? Non, le 5. Pourquoi je dis toujours le 5? C'est pas le 5 juillet. C'est le 4 juillet que ça va faire 19 ans qu'on est ensemble. Donc, on trouvait ça drôle parce qu'eux aussi, ça va faire 19 ans qu'ils sont ensemble. Je pense qu'on aurait eu vraiment beaucoup de plaisir si on aurait été dans le même pays. Je pense qu'on aurait pu se faire peut-être des soirées en couple. Je pense que ça aurait pu être le fun. Mais bon, je vis pas dans le bon pays, hein, ça je le dis tout le temps. Je devrais vivre en France. En France ou en Europe. Ça serait tellement plus simple pour trouver mes luminances et mes light face. Surtout. Ah, oh, je vous ai pas dit ce que je prenais. My God. Bon, c'est Mountain Green. Ensuite, je prends le vert pomme des Prismacolor et je termine bien sûr avec mon éternelle chartreuse. Donc, les numéros, c'est le vert pomme 912 et la chartreuse 989. Et ben, les light face, ils n'ont pas de numéros. Donc là, je vais faire ceux-là ici. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ben, bientôt, l'école est terminée. On va être en vacances, enfin. Moi, je déteste me lever tôt. Et bon, je ne me lève pas tôt pour mes garçons, hein. Ils sont au secondaire. Mon plus vieux s'en va en secondaire 5 l'année prochaine, puis mon autre s'en va en secondaire 4. Donc, ils sont capables de se lever tout seuls le matin, mais ma fille, elle s'en va en 6e année l'année prochaine. Ils montent toutes d'année, pas de redoublage. Ben, de toute façon, je suis chanceuse. Mes enfants n'ont jamais redoublé l'école. Donc, ça va bien. Puis là, ben c'est ça. Ah! J'appuie beaucoup trop fort. Donc, ma fille, elle, s'en va en 6e année, mais bon, je sais qu'elle serait capable toute seule, hein. Elle est très, très, très responsable, ma fille. Elle est très, très responsable, très mature, puis elle serait capable de se lever toute seule, mais c'est moi qui ai mère poule. Fait que je me lève le matin avec elle. Même si elle s'occupe pas du tout de moi, elle s'en fout, elle fait ses affaires. C'est à peine si elle me parle. Ma fille, elle est pas de bonne humeur quand elle se lève le matin. Donc, ouais, je l'accompagne. J'essaie de la faire rire. Moi, je me lève le matin déjà de bonne humeur. Hein. Je prépare mon café, puis la journée est partie. Mais je déteste me lever de bonne heure le matin. Donc, vivement les vacances. Ça s'en vient. Il reste bouffe, à peine 22 jours d'école. Donc, on va beaucoup s'amuser. On va monter la piscine. Parce que moi, j'attends toujours que l'école soit terminée avant de monter la piscine. Puis là, ben, on a notre moteur de piscine qui nous a lâché l'année passée. Ouais. Donc, il faut que je rachète un moteur de piscine. C'est pas trop, trop prévu. En plus, il faut faire opérer le petit chien. Je vous raconte ma vie, hein. J'espère que ça vous plaît.
Donc là, je vais contourner mes feuilles vertes. Je vais juste passer mon petit pinceau avant. Avec mon kaki numéro 7 des Posca. Je l'adore, ce Posca-là. Là, j'ai mon papa qui est chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Ma fille, elle a trouvé une tortue. Ma fille, c'est la sauveuse des animaux. Hein. Elle a deux lapins. Il y en a un qu'on a acheté, l'autre qu'elle a trouvé. Elle l'a trouvé dans le bois. Il était abandonné. Elle a sauvé la vie l'année passée. Puis aujourd'hui, il va très bien, le lapin. Ben là, elle a sauvé une tortue. Elle l'a trouvé dans la rue. D'après moi, il y avait des autos qui avaient passé dessus. J'espère que ça va bien aller. Elle l'a trouvé aujourd'hui. Elle a tout fait une belle aquarium. Puis là, ben, c'est mon papa qui l'a aidé parce que nous, on était en live. Je l'ai aidé un peu au début, puis que j'étais pas là au début du live. Et que là, elle est en train de faire ça. Fait que d'après moi, mon père est venu checker si tout était correct. Parce que mon père a eu beaucoup, beaucoup de tortues dans sa vie, donc il connaît ça pas mal. Il y a Fripouille aussi qui nous a donné de bons conseils, qui a parlé avec ma fille. Donc vraiment, si tu écoutes cette vidéo-là, un gros merci, mon ami. Donc là, on espère que la tortue va bien aller, que tout va... qu'elle va vivre, hein? Puis là, ben mon papa, il a dit qu'elle avait 10 ans, la tortue. Donc c'est sûrement des gens qui s'en ont débarrassé, hein, qui en voulaient plus. Puis ma fille, ben elle, c'est la sauveuse des animaux. Si elle voit un animal dehors, c'est sûr qu'elle me le ramène puis elle veut le sauver. Donc là, je lui ai dit, prépare-toi, hein, tu sais pas, tu sais, elle saignait la tortue, fait que... Le Fripouille, il nous a donné plein de bons conseils pour que ça aille bien. Donc, on croise les doigts, mais déjà là, au début, quand ma fille, elle l'a... Je vais aiguiser mes crayons, les amis. Au début, quand ma fille, elle l'a ramenée, elle bougeait pas, la tortue, là. Elle était toute rentrée dans sa coquille. Elle voulait même pas... Ben, sa coquille, sa carapace. Elle voulait pas sortir, mais rien. Puis là, elle nage dans l'eau. Ma fille, elle y a mis des roches. Elle monte sur ses roches. Elle a même mangé un peu de salade. Donc, je pense qu'elle va prendre du mieux, cette tortue-là. Avec l'amour de ma fille. Je vous en donnerai des nouvelles de toute façon, puis ben, je vous la montrerai dans un vlog. Là. Je sais pas si je vais repartir un vlog tout de suite, parce que là, j'ai fait deux vlogs back-à-back. Donc, je vais peut-être attendre un peu, histoire d'avoir un peu de contenu. Puis, dans un prochain vlog, je vous la montrerai, la tortue, je donnerai des nouvelles. J'espère qu'elle va survivre, que tout va être correct. Donc, ouais, c'est ça un peu les nouvelles que j'avais à vous donner. Je n'ai pas fait d'achat dernièrement, à part ceux que vous avez vus dans mes vlogs. Et là, je veux trop m'acheter le livre de bébé Yoda. J'ai vu Audrey Mock de la chaîne Audrey Mock qui avait colorié un bébé Yoda. Puis, ben moi, ça fait longtemps que je l'aime, bébé Yoda, hein. J'en parlais pas vraiment, hein. Je vous dis pas tout ce que j'aime, j'aime tellement de choses dans la vie que... Puis, moi, je savais même pas qu'il y avait des livres de coloriage sur bébé Yoda. Donc, quand j'ai vu le livre que Audrey avait, parce que moi, j'ai découvert sur la chaîne d'Audrey, il y avait un petit livre de bébé Yoda, je le veux trop! J'ai pas encore commandé, donc... Au début, j'avais dit « Oh non, je l'achèterai pas, j'ai assez de livres », mais bon, je l'ai mis dans ma liste de souhaits, puis là, je me dis « Oh, ça pourrait être le fun de colorier bébé Yoda ». Je vais vous montrer mon bébé Yoda. Je l'ai dans mon bureau. Attendez, j'arrive pas à le prendre, là. Il est trop haut. Bébé Yoda, viens ici. C'est la mascotte de ma chaîne. Coucou, c'est moi, bébé Yoda. Ouais, je suis bébé, hein. Vous le voyez pas bien. Regardez, c'est mignon! J'adore bébé Yoda. C'est ma peluche! Je l'ai mis dans mon bureau. Bon, on retourne avec notre bébé. Ah, j'espère vraiment que je vais réussir à finir ce colo-là d'ici le temps que je vais tourner ma vidéo des coloriages terminés. J'avance pas vite, on dirait. Et j'ai pas fait beaucoup de colos au mois de mai, je vous dis, ça a été l'enfer. Il y a eu la panne d'électricité. Je suis en train de faire un projet pour ma copine Mimi. Quand je vais livrer les pizzas avec mon mari, je m'avais emmené un livre de colo mystère. Finalement, j'ai pas vraiment colorié. Ça, c'est pas évident de colorier en voiture. Quand il est dans le restaurant puis qu'il attend au début pour avoir ses livraisons, ok, j'ai le temps un petit peu, mais après ça, c'est parti, hein, il reste pas dans le resto, là, il fait ses livraisons
dans le fond, bac à bac, là, il n'y a pas vraiment de temps mort. Là. C'est vraiment un à la suite de l'autre, donc j'ai pas le temps de colorier. Puis, ben, mon mari aime bien ça quand je l'accompagne et que j'ai pas colorié beaucoup pendant ce temps-là. Puis, je sais pas, il est arrivé plein d'affaires ce mois-ci qui faisaient que j'avais pas le temps de colorier. Mon petit bébé chien aussi, je vous le dis, c'est un démon, ce chien. Il mange tout. Faut vraiment pas laisser traîner rien. Faut pas que je laisse traîner des crayons, sinon c'est sûr qu'il va les manger. Faut pas que je laisse traîner de livres, parce qu'il va les manger. C'est un démon, je vous dis. Moi, quand j'ai eu ma Paisy, hein, mon labrador noir, que vous avez vu souvent, à jamais elle faisait des choses comme ça. Mais Chuck, c'est le démon incarné. Vraiment, il m'en a fait des dégâts à tous les matins. Je me lève. Bon, là, je l'ai quand même chicané. Là, on dirait qu'il a compris parce que ça fait 3 matins qu'il fait pas de dégâts. Mais depuis qu'il est arrivé, à chaque fois que je me levais le matin, il avait pris le papier toilette, il l'avait éparpillé partout dans la maison. Vraiment. Il adore jouer avec le papier toilette. Puis c'est pas parce qu'il manque de jouets, hein. Il a un bac de jouets complet. Mais il joue pas avec ses jouets. Il joue avec des choses qui sont pas à lui. Il m'a cassé 3 paires de souliers. Il a pris mes sandales d'été que j'adorais en plus. Mon fils disait que c'était des sandales de gladiateurs, mais moi je les aimais, mes belles sandales. Puis il m'a cassé les gants, il les a coupés avec ses dents. Donc là, je n'ai plus de sandales. Faut que je me rachète des sandales. Il a cassé celle à ma fille aussi. Parce qu'on a un rack de chaussures à l'entrée, ben il les prend. Il prend les chaussures là, mais pas quand on est là, hein. Il fait ça pendant qu'on dort. Donc là, quand on se lève le matin, c'est là qu'on constate les dégâts. Fait que là, on a enlevé toutes les chaussures du rack. On peut plus mettre nos chaussures là parce que monsieur les mange. Mais là, ça fait 3 matins qu'il n'y a pas de dégâts quand je me lève. Donc, je pense qu'il a peut-être compris. J'ai vraiment hâte qu'il grandisse. Ce petit chien-là, vraiment, il est drôle, par exemple. Il est drôle, il est affectueux, il est super gentil. Mais, oh mon Dieu, qu'il n'est pas intelligent. Je vous dis, c'est pas la lumière de la maison, ce chien-là. Ma Paisy, elle, on essaie d'y apprendre un tour, je vous dis, là. En 1 heure, elle peut apprendre un nouveau tour. Lui, pff, il comprend rien. On a de la difficulté à le mettre propre en plus. Donc, ouais, j'ai hâte qu'il grandisse, ce petit chien-là. Je me rappelais plus, je pense, c'était quoi avoir un bébé chien. Donc, lui, il prend beaucoup de mon temps. Donc, ça fait que j'ai un peu moins colorié du le fait d'avoir un bébé chien, je pense. Là, je vais prendre le vert pomme, puis je vais faire le petit centre ici. Ouf! Ça a foncé pas mal, hein? Je vais prendre mon Tuli Art que j'ai pris pour contourner mes champignons. Est-ce que vous les voyez, mes champignons? Vous en voyez ici? Non, vous les voyez pas. Champignons verts. Donc, je vais faire un peu de vert ici. Ouh. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais bon. Bon, c'est pas laid. Et là, ben, je vais contourner avec mon Tuli Art mauve. Ouais. Donc, c'est ça, les petites nouvelles qui se passent chez Zoom. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de coloring chat. Je savais pas quelle vidéo faire. Puis, j'avais envie de filmer. Et que je me suis dit, ben, va donc faire un petit coloring chat. Pourquoi pas? Quand je fais un coloring chat, je ne sais jamais de quoi vous parler. Puis, quand je dois faire une vidéo où ce que je suis pas censée parler de n'importe quoi, je parle de n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, est-ce que je continue de faire des baies ou je fais autre chose? Je vais peut-être faire un champignon ici, parce que je veux faire un champignon vert, un peu comme ceux que j'ai fait en bas. Donc, je vais prendre mon Forest Daylight Face. Et là, bon, au mois de juin, je vais peut-être faire un autre Color With Me, mais j'hésite à faire... parce que habituellement, quand je fais Color With Me, je les partage dans la banque Colo d'Azou, puis je vous demande, qu'est-ce que vous avez envie, dans quel livre vous avez envie de colorier? Donc, les gens votent, puis tout ça, mais bien souvent, il y a des gens qui sont déçus, parce que, bon, ils disent, « Ah, oh, j'ai pas le livre, nanana, vous savez. » On essaie de plaire à tout le monde, hein, mais c'est pas évident. On sait jamais qui a quel livre ou quel livre. J'essaie de prendre des livres populaires, mais bon.
Puis des fois, quand je choisis un colo, je suis super emballée, mais quand il arrive le temps de faire la vidéo, ça me tente plus. Donc là, je me sens comme un peu forcée quand je fais des Color With Me. Donc là, j'hésite un peu à en faire un ce mois-ci parce que j'aimerais ça en faire un autre. Mais ça serait moi qui choisirais, dans le fond. Parce que je choisirais un peu à dernière minute, vous savez, Color With Me. Je fais une vidéo Color With Me, puis après ça, ben, il y aurait partie 1, partie 2. Là, c'est sûr que si je le commence... puis qu'après ça, je fais les parties, je vais pas me, comment je pourrais dire? Je vais pas ne plus avoir envie de le faire puisque, ben, je vais l'avoir choisi comme ça spontanément. Comprenez? Je suis pas sûre. Pas sûre que je m'exprime bien. Là, je vais prendre le Olive Yellow numéro 15. Je vais mélanger ça avec mon Forest. Avec les autres, par exemple, j'avais pris, les champignons, j'avais pris le Green Ocre numéro 25 des Lightfast, mais j'ai envie de faire des champignons verts, mais un peu différents de ceux qui sont en beau. Je pense pas que ça va tant être différent, mais bon. Et là, je vais prendre mon chartreuse. Je vais terminer avec ça, juste le nettoyer un peu. Donc... Ouais, j'aimerais ça faire un Color With Me ce mois-ci, mais sans que ce soit les gens qui votent. Dans le fond, je le choisirais, puis je vous le propose en vidéo. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que là, j'ai aucune idée dans quel livre que je voudrais aller. Peut-être j'aimerais ça faire un... parce que là, je vous le dis, hein, je suis en amour, littéralement, avec les illustrations de Amandine Young. Vous vous rappelez quand je vous avais... des fois, dans les tags ou ce genre de choses-là, on nous demande, bon, quelle est ton illustratrice préférée? Puis des fois, ben, pas des fois, si vous nous demandez ça, ben, on répond. C'est une catastrophe, hein, quand j'essaie de vous raconter quelque chose. Mais bon, moi, avant, je disais tout le temps, Clara Markova, Anna Carzone, Annaline. Mais là, mon top, les amis, il a changé. Si vous me demandez quelles sont tes trois illustratrices préférées, je vais vous répondre encore une fois Clara Markova, mais en deuxième, c'est Amandine Young et Anna Carzone en troisième. Oui, vraiment, je vous dis, je capote sur Amandine Young. J'ai reçu ses livres, j'ai commencé le Blanche-Neige, j'ai fait trois colos d'affilée dans le Blanche-Neige, je me suis amusée comme une folle, vraiment. J'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Ils sont longs à faire, hein, mais vraiment, trop le fun. Trop le fun. J'ai adoré. Je regrette de ne pas les avoir achetés avant. Mais bon, au moins, là, je les ai, donc je peux les colorier. J'ai pris le Pentalibride, j'ai oublié de vous dire, pour faire mes petits trucs. Et là, je vais prendre mon Posca en or. Et je vais contourner mes petits ronds et le bas aussi. Donc, ouais, peut-être je pourrais faire un Amandine Young en Color With Me pour le mois de juin. Donc, dites-moi, j'espère que cette vidéo-là va être sortie avant, mais bon. Probablement que le Color With Me ne sera pas sorti, ça c'est certain, parce que c'est long à faire et c'est long au montage aussi. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Je colorerai sûrement dans le Blanche-Neige, je pense. Ou peut-être dans le Cendrillon aussi. J'ai pas reçu le pin-up au moment où je vous parle, hein. Mais je pense qu'on va les avoir. Je pense que je vais l'avoir au mois de juin, mais je suis pas certaine. Faudrait que je demande à Amandine. Donc là, je vais faire le pied du champignon. Est-ce que je le fais foncer ou je le fais pâle? J'aurais envie de le faire foncer, puis eux, en bas... Je vais les faire dans des verts pâles, peut-être même un vert, vous savez, un vert de gris là qui s'en irait sur le blanc. Quelque chose comme ça. Puis les autres champignons, je pense que ça va être d'un teint de beige pour le bas. Je vous aurai pas le temps de le voir hein, parce que je suis à veille d'arrêter mon Color and Chat parce que ça va être le temps de manger ici au Québec. Donc, je vais aller manger. Là, mon mari, parce que là, on est le week-end, hein, je pense que je vous l'avais dit. Mon mari fait sa livraison de pizza, mais là, ben, comme j'avais des vidéos à faire, je lui ai dit, ah, oh, ben là, j'irai pas avec toi aujourd'hui. Donc là, mes enfants, ils attendent après moi pour que j'aille faire le souper, hein.
Ouais. Donc là, j'ai pris. Je vous ai même pas dit ce que j'ai pris pour faire le pied, mais on dirait que c'est presque noir. J'ai pris le Mars Black. J'aurais peut-être pas dû prendre ça. Ben bon. C'est pas comme s'il y en avait 50 000, là, de ces champignons-là. Donc, ça va être tous les pieds. Je vais les faire comme ça. Et je vais faire les hauts, comme vous avez vu. Hein. Je vais toutes les faire pareil. Donc, ouais. Je pense bien vous faire un Amandine Young dans le mois de juin en color with me. Je pense que ça va être le fun. Donc, là, j'ai mon fils qui attend après moi dans mon bureau. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Bon, j'ai pas fait grand-chose, mais bon, j'avais envie de jaser avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas à combien de temps je suis rendue de jasette. On a presque 1 heure, donc c'est bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo d'Azou ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire est-ce que ça vous tenterait de voir un Color With Me de Amandine Young ensemble. On ferait un colo, hein, un peu ben, comme les colorions ensemble. Ça va être dans la même optique. On va faire le colo de A à Z. Je sais pas combien de parties parce que, comme je vous dis, c'est quand même assez long de faire un Amandine Young. Et ben voilà. Alors, j'attends vos commentaires. Si jamais ça vous intéresse, ben je le ferai au mois de juin. Donc, voilà. C'est tout pour moi, les amis. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.